Donc aujourd'hui, belle surprise, on a une naissance chez les jaguars Andy. Ouais, on voit deux têtes. Ouais. C'était assez inattendu. On se doutait qu'il y avait peut-être quelque chose, parce que Barbara m'avait signalé il y a une petite semaine, ah, la femelle, on a l'impression qu'elle s'arrondit et tout. Et donc elle avait raison, puisque quelques jours plus tard, eh bien, on a une naissance chez les jaguars Andy. Ce matin, pour la première fois, Kiboko, notre petit hippo, qui a un mois et demi maintenant, va rencontrer en contact direct son papa. Il fait chaud, il a envie d'aller dans l'eau, sauf qu'arrive au bassin, la reine mère est présente. Bah, Elisabeth ne laisse pas rentrer Masai. Notre petit prince royal est présent. Bon, Babette, laisse-le rentrer, pauvre Masai. Toi, impose-toi, t'es le gros, tu sais. Et au bout d'un moment, il se dit, bon, là, je fais quand même 2 tonnes. OK, il y a un petit, mais elle sait très bien que moi, je suis très gentil. Il insiste, sans agression, hein, il s'impose par sa taille, hein, elle recule un petit peu. Bah, ça y est, c'est fait, la mise en contact est faite, il n'y avait pas de dossier. Chut. Ce matin, donc je me trouve sur un secteur dont j'ai pas trop l'habitude d'aller, c'est la Fauconnerie. J'y vais pour le petit coup de main pour faire la sortie du secteur. Ouais, regarde Nino, parce que du coup apparemment il aura un petit bobo à l'air. Ouais, ok, à droite. Ça se chamaille un peu. Jaguar Andy, faut que tu rentres sa cascade. Je sais à peu près ce que je dois faire, mais Mélanie me fait un petit check quand même. Il faut que je surveille une petite blessure au niveau d'un des coatis, au niveau de Nino, en dessous de l'œil gauche, donc je vais aller vérifier ça. J'arrive au coati, je les connais pas du tout ces coatis, je sais même pas s'ils ont tous un nom. Pas comment vous appelez, moi. Coati 1, Coati 2, Coati 3. Je ne différencie pas du tout. Coati 2, 3, 4. Oui, Coati 4. Ça va très bien comme ça, et en vrai, je suis pas assez avec eux pour les différencier. Ça va, les gars? Nino, on le différencie bien parce qu'il est un peu plus foncé, un peu plus grand, enfin, je trouve en tout cas. Lui, ça va. Le problème, c'est qu'il veut pas venir me voir. Et il a un petit peu peur, il me connaît pas trop. Et malheureusement, c'est qu'avec la nourriture que je peux le faire venir. Ouais, c'est pas très joli. Tu m'entends, Mel? Et je constate que ouais, il y a une petite blessure. Ça a pas l'air d'être grave, mais faut pas laisser s'infecter, faut voilà, surveiller. Oui, Mel, ouais. En effet, t'as Nino qui a ouais, un petit accro en dessous de l'œil gauche. Je pense qu'il faut à surveiller quand même. C'est pas trop grave, mais voilà, surveiller. Ok, ça paraît pas infecté. Bah, un petit chou, quoi. C'est pour ça à surveiller, quoi. J'ai un petit doute, mais on va voir l'évolution de ce soir ou demain matin. C'est pas non plus anodin, mais c'est pas non plus grave, quoi. D'ailleurs, on dira à personne. Allez, viens. T'as mijoré. Ouais, tu me ressens bien. Hop. Normalement, j'aurais pas dû donner aux autres les poussins, mais il était là, j'ai donné à Nino pour le voir de près. Je trouve pas ça cool pour les deux autres. Faut pas le faire tous les jours, mais. Ah, c'est barbare, elle va me tuer. Et je dois remplir la cascade des jaguars, on dit. Avant de m'occuper de l'enclos, je vais quand même voir la maman et ses petits. Et je vois la maman qui crache. Elle crache énormément parce qu'elle a ses petits, elle les protège tout simplement. C'est juste pour essayer de m'intimider un peu. On voit au fond ces deux petits qui sont vraiment trop choupis. On les voit mal quand même. Ils sont dans leur petite cage, la maman les protège beaucoup. Bon allez, je vais dire un garçon, une fille. Franchement, je sais pas, je dis ça vraiment au hasard.
J'ai le plaisir d'accueillir ma nouvelle stagiaire qui s'appelle Margot. C'est un stage qui va durer 6 mois. Elle a terminé ses études, donc elle est diplômée. On recommande en ringère. Ouais, ouais. Je suis vétérinaire, j'ai 27 ans et je viens ici pour faire un internat, donc un stage longue durée plutôt, pour continuer à me former et plus particulièrement en médecine zoologique. Donc je suis Cyril pendant 6 mois. Alors Margot a vraiment la vocation d'exercer dans le milieu de la faune sauvage, que ce soit la faune captive, en zoo ou en réserve. Donc elle a déjà une petite expérience. Je veux vraiment prendre des gens qui viennent là parce que c'est ce qu'ils veulent faire et ils viennent chercher de la formation, de l'expérience, du bagage, quoi, en fait. Parce que les places sont rares, en fait. Je crois qu'il manquait peut-être des 5, mais des 10, tu t'en restes. Alors, les boîtes de seringues, elles sont dans ce placard-là. Ah. Évidemment, quand on est deux, on travaille mieux, on travaille plus vite et on fait plus de choses que quand on est tout seul. C'est vraiment un enrichissement mutuel et un travail d'équipe. Toujours un pari, quand on prend un stage longue durée, il faut vraiment que pour le coup on s'entende bien, qu'on travaille bien. Mais je suis assez confiant en fait. On a ce matin rendez-vous à la plaine asiatique avec Sabrina pour aller voir un nouveau patient qui est un pigeon Nicobar. C'est un pigeon qui vit donc dans le sud-est asiatique, hein, qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on connaît chez nous. Sabrina pense qu'il a un problème de perte de plumage au niveau de la tête. Il avait vraiment tout perdu, tu vois. Tout en une semaine, ça a bien... D'accord, ok. Ouais, et les petits follicules plumeux, là, ça pousse, hein, tu vois. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il a perdu ses plumes sur le dessus de la tête, mais elles sont en train de repousser. On a des petits follicules plumeux. Cependant, on voit que sur sa tête, mais aussi sur le reste du corps, il y a des petites pellicules, en fait. La peau n'est pas très jolie. Il n'y a pas de grosses lésions, mais on a peut-être un petit problème d'ordre parasitaire ou nutritionnel. Donc l'idée déjà, ça serait de comparer avec le deuxième. Allez, pipi. Vas-y, monsieur. Bourre. Dans les bras, papa. La peau peut réagir de manière assez violente, hein, à des agressions parasitaires. Et on peut avoir un problème de peau qui a une origine au tout début parasitaire, qui fragilise la peau et une bactérie qui vient s'installer, etc., etc. On ne peut pas écarter les hypothèses parasitaires. Donc ce qu'on va faire, on va les mettre en volière. Mm. On va revenir après pour les traiter, ouais. Tous les deux. Ça marche. Et puis compléments alimentaires, pour ouais, être sûr qu'on est en volière multi-espèces, pour être sûr qu'ils prennent bien, on les isole. Hein ? Ouais. On fait ça ? Okay. Allez, ben on les emmène. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'un traitement de première intention, si je voyais qu'on avait des difficultés à traiter ces animaux, on ferait pousser un petit peu plus l'investigation avec des examens complémentaires. Ben, on n'en est pas là. Là, on va au plus courant, au plus fréquent, au plus probable. Et puis, on voit ce que ça donne. Mais effectivement, un simple parasite peut provoquer des choses assez spectaculaires. Alors, mes premières impressions, c'est que je ne sais rien. Que je pars de vraiment très, enfin, très loin, que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je suis ravie. Sab profite d'avoir un veto sous la main pour lui dire « Et si tu pouvais venir aussi en même temps voir les chats pêcheurs ?» Parce que hier, il y a eu une petite bagarre. Coy, une des deux femelles chats pêcheurs, a une petite plaie. Hop, on va faire un petit saut au chat pêcheur. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais, c'est tout frais, hein? Ouais. Bah, c'est d'hier. Ouais, hier matin, il n'y avait rien. Donc. Ok. C'est un coup de grise, ça. Hein. Ouais. Ouais. Effectivement, on constate sur Koi qu'il y a une petite plaie. Ça évoque un coup de griffe. Hein, donc, assez superficiel, ça m'inquiète pas. Ouais, elles ont un petit peu décollé. Elles sont un petit peu maigres. Donc, tu peux monter la ration. La vraie discussion, c'est pourquoi de temps en temps on a ces conflits. Peut-être que nos chats veulent un petit peu plus à manger et quand il y a cette sensation un peu de faim qui persiste, eh bien, ça génère des conflits entre les deux femelles. Bah oui, c'est frais, je n'étais pas contente. Attends, on va sortir pour ne pas stresser les animaux. Alors, elles sont stressées, mais c'est des femelles qui, spontanément, vont manifester de l'agressivité parce qu'elles nous ressentent arriver comme étant potentiellement une menace. Du fait de notre grande taille, du fait aussi de la promiscuité au niveau du couloir de service et des loges. Voilà, pépette. Mais pour l'instant, on donne rien. Ouais, ça marche. Un petit bobo comme ça. Bon, bah, très bien. Donc, c'est Koi, hein. Et bah voilà. Bah, merci pour cette petite tournée vétérinaire. Bonne journée. Bonne journée à vous. À plus.
Cet après-midi, je suis en cuisine avec mon stagiaire Brice et on a envie de préparer un enrichissement pour les caïmans. Charlotte m'a remonté une espèce de grosse boule jaune que je vais pouvoir leur mettre dans le bassin. Normalement, la boule va flotter et le caïman, aux dernières nouvelles, peut pousser la boule et la faire s'envoler. Tu crois qu'elle va flotter? J'ai un doute. Pour ce genre d'animaux, le mieux, c'est quand même de faire un enrichissement olfactif. Donc, je vais couper un poulet en deux. Et puis, avec Brice, mon stagiaire, on va frotter cette boule avec cette moitié de poulet pour bien déposer de l'odeur sanguine. Ah, ça pue. C'est juste histoire de faire de l'odeur. Et direction le vivarium. On a envie que cet enrichissement marche. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Déjà, il faut que la boule flotte. Bah, avec le poids qu'elle fait, j'ai un doute. Alors, ils sont pas dans l'eau. Ah, si, y en a un dans l'eau. Ah, j'avais pas vu. Bon, Brice, tu vas le re-rentrer, mais tu t'approches pas plus. Allez, on y croit, ça va marcher. Je sais pas si je la fais rouler, si je l'explose. On y va. 1, 2, 3. Ah, oui, ça flotte. Déjà, ça flotte. Et miracle, elle flotte. Déjà, c'est un bon début. Les caïmans ne sautent pas sur cette boule-là. Je pense que ça marche pas du tout. C'est dommage, hein? Peut-être que j'aurais dû mettre un poulet vivant. Ah, les tortues s'énervent. On a quelques tortues qui vont directement dessus, qui vont voir ce que c'est. Hein. Enrichissement tortue. Voilà, c'est ça. Bon. Bon, bah non. Hein. Je suis déçue. Les caïmans, il faut les prendre au bon moment. Ce ne sont pas des animaux super énergiques, sauf quand ils ont envie d'attraper une proie ou une main. Là, aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est qu'ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas l'air stressés. Ils étaient là, ils regardaient. Hop, qu'est-ce qu'elle fait la dame avec sa boule, là, et puis c'est tout. J'espère qu'un jour, on aura un autre enrichissement. Allez, ça suffit maintenant. Allez. Bon, bah... Allez, hein. Ça va être pas très fun, les caïmans. On verra la prochaine fois, hein. On trouvera autre chose. Bon, on retourne travailler. Bon, bah, désolé, Brice, tu n'as rien vu de. Après-midi, il fait chaud dans le parc, nos fauves sont dehors, ils bougent pas énormément. On a des petits glaçons avec quelques morceaux de poussin dedans, donc quelque chose qu'ils affectionnent. J'embarque Mathilde avec moi et on va du côté des tigres. C'est par là, les tigres. Tu sais que je suis passée par là. Qu'on va leur jeter ces petits bouts de glaçons à côté d'eux et voir s'ils s'y intéressent ou pas du tout. Si je vois que c'est pas trop lourd, il y a moyen de rigoler, je t'en laisserai l'autre. C'est leur repas, c'est Non, non, c'est un goûter. Comme ça. L'enrichissement, c'est juste pour leur faire plaisir cet après-midi parce qu'on ne veut pas forcément les faire bouger plus que ça. Quand il fait chaud, ils dorment, donc c'est le meilleur moyen qu'ils ont d'être bien. Bon, on va quand même essayer de les faire réagir un petit peu, mais avec quelque chose de frais, donc c'est quand même dans la balance, ça passe plutôt bien. Que chacun ait le sien, qu'il puisse ne pas y avoir de conflit. Il est pas mauvais en lancer de glaçons. Là, au début, il m'avait dit, bon, t'en prendras peut-être un pour essayer. Puis moi, je l'ai jamais eu. Hein. Il m'a zappé total. Il vaut mieux peut-être. On aura peut-être évité d'assommer un tigre. Est-ce que tu t'y intéresses ou pas? Un truc important dans l'enriche, c'est qu'il faut pas toujours rester. Parce que les animaux, ils nous connaissent. Ça ferait même quand on est là, il va se passer quelque chose. On va s'éclipser un petit peu, on va se mettre en contrebas, ils vont pas nous voir. Et donc là, ils vont pouvoir être focalisés à 100% sur cet enrichissement. Et leur comportement, du coup, va découler de ce fait. L'enrichissement, c'est de voir surtout le comportement des animaux sans qu'il y ait rien d'autre qui les intéresse. C'est
C'est toujours un plaisir pour un soigneur de faire un enrichissement parce qu'on voit un comportement qui n'est pas forcément le même qu'on voit d'habitude quand on a les rentrées et les sorties. Puis l'enrichissement, ça a souvent le but de leur faire plaisir. Là, en plus, il y a un petit peu de viande pour des carnivores, c'est génial. Et comment ils réagissent si les deux s'intéressent au même objet en même temps? Est-ce qu'il peut y avoir un conflit par rapport à ça ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Justement, nous, notre but dans l'enrichissement, c'est qu'il n'y ait pas ce conflit-là. Après, quand il y a un pigeon dans l'enclos qui se fait avoir, bah, il y en a un qui le mange et ils ont des liens assez forts pour que le deuxième peut tenter. Une fois qu'il a compris qu'il n'aurait rien, il reste tranquille. Nos tiques se portent bien, donc on n'a toujours pas de reproduction avec, puisqu'on n'a pas l'autorisation du coordinateur, la lignée de notre mâle étant trop représentée en parc. Mais du coup, tout se passe bien, voilà, nos courbes de poids sont pas trop mal. Ils vont bien, nos tiques. On les laisse tranquilles. Je vais juste essayer de voir si on arrive à voir le Nalkwati, parce qu'apparemment il s'est fait niaquer ou griffer vers le museau. Cyril passe à la fauconnerie et du coup je profite qu'il soit dans notre quartier pour lui parler d'un petit souci sur notre Nalkwati Nino, qui a comme une plaie en fait au niveau de la joue gauche. Ok, ça date de quand? Hier soir. Les coatis, c'est un groupe familial, donc on a aussi bien mâle et femelle. Et Nino, c'est vrai que c'est le mâle adulte le plus ancien du groupe. Nino ! Nino ! En même temps, les filles, elles sont pas très sympas en ce moment avec lui. On a eu d'autres mâles avant lui qui s'imposaient un peu plus parmi le groupe des femelles. Alors lui, bon, il est un peu le souffre-douleur, il vit plus sa vie de manière indépendante. Bon, c'est pas non plus dramatique. Nino, il est au fond. Tout au fond. Nino. Nino. Attends, peut-être le voir derrière là. La bouche. Il est où ton bobo? C'est sous l'œil à gauche. Ah oui. Je l'avais déjà vu pour des petits pépins de santé, des petites plaies aussi, et puis un abcès qui avait nécessité une extraction d'une dent. C'est peut-être pas forcément une plaie liée à un conflit entre des individus. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait chopé pour ses dents, lui. Mmh. Tiens, on avait déjà enlevé. C'est peut-être un abcès dentaire. C'est plutôt un abcès dentaire qui aurait donc fistulé, c'est-à-dire en fait qui a percé au-dessus de la mâchoire et le pus s'écoule en fait sous l'œil. C'est parfois lié à l'âge, hein. C'est la dentition qui vieillit mal, des infections un petit peu récurrentes, le tartre, tout ça, ça peut faire le lit d'une infection. Alors, on va voir, on va traiter une première fois, si ça reste, il faudra enlever la dent. D'accord, voilà. Ok. Bah, ça me plaît pas trop, parce que quand on endort nos animaux, hein, bah, c'est vrai que c'est toujours un moment stress pour nous, même si on sait que Cyril va gérer et que c'est pour le bien de l'animal, mais c'est vrai qu'on a toujours une petite appréhension, parce que malheureusement, c'est comme chez l'être humain, ça peut mal se passer. Bon bah très bien, donc je te file un traitement et puis ouais. Si c'est récidive, à ce moment-là, il faudra intervenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va traiter l'infection, qu'elle soit d'origine traumatique ou dentaire, de toute manière, le traitement antibiotique va rester le même. Si c'est un abcès dentaire, il y a une possibilité d'une récidive. Donc à ce moment-là, on interviendra pour extraire la dent. Lac. Chouette. Allez. C'est parti. Bon, je pense que ça va aller, hein. Ça n'a pas l'air trop infecté non plus. Donc en espérant que l'antibiotique agisse bien et que tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, je suis sur le secteur des herbivores. Ce soir, c'est le moment de la rentrée. Et du coup, je commence par les hippopotames. Il est beau. J'avais envie de leur faire un petit entraînement ce soir. Parce que voilà, ce matin, j'ai pas pris le temps. Et vu que je suis pas souvent sur le secteur, donc du coup, je me dis pourquoi pas, je vais essayer de les tenter. Voilà, lui proposer un petit entraînement. Je vais voir s'il a envie. Tu veux un bas?
Arrête de pousser le foin, Masai. T'es énervé là. Masai, qu'est-ce que tu fais ? Viens. Mais bon, je l'embête pas trop longtemps parce que dans les loges, il y a déjà le foin qui est installé et son estomac en fait réfléchit avant sa tête. Et il a juste trop faim. Oh mince, je me fais un petit peu craquager. Je le fais passer dans la deuxième loge et puis je lui donne son seau. Allez, bonhomme. Bah, normalement, sa loge, c'est pas celle-là, mais vu qu'il est rentré en premier, du coup, je vois qu'il est très content. Il a qu'une envie, voilà, c'est de manger à sa faim. Ensuite, une fois que Masai est passé dans l'autre loge et qu'il mange, j'ouvre la trappe pour Babette, suivie de Kiboko, et je les fais rentrer tous les deux dans la loge. Des petits bouchons. Babette, en fait, c'est vrai qu'elle aime bien un autre contact, en fait. Elle aime bien se faire caresser, papouiller. C'est un peu l'hippopotame d'Anthony, hein. On dirait que c'est un caniche, hein. Il force de la caresser, quoi, je sais pas. Babette, qu'est-ce qu'il y a, ma louloute ? Tu poses ta tête ? Ça va, elle a l'air motivée, mais du coup, elle est drôle parce qu'elle, elle a surtout envie de poser sa tête et en fait que je lui caresse la tête. Quoi. Là, tu poses ? Oui. Tu restes, ma doudoune ? Oh, tu bébé. Mais voilà, faut pas oublier que c'est quand même des animaux dangereux. Et là, ce soir, je suis quand même assez prudente parce qu'il y a aussi son bébé. Et moi, je connais pas trop encore les réactions qu'elle peut avoir par rapport à son petit. Je regarde toujours un petit peu son regard, je regarde si elle a pas le regard qui tourne en mode pitbull, quoi. T'arrêtes, ça. Kiboko a un petit peu plus de 2 mois. Donc, c'est notre petit bébé hippopotame qui est juste trop mignon et à croquer. Hey, coucou, Kiki. On dirait un porte-clés hippopotame. Là, en fait, voilà, on le voit dans l'enclos, on le voit dans l'eau, mais quand on le voit de près dans le bâtiment, il est encore plus chou, quoi. Il est un petit peu trop jeune pour manger, hein, des fruits et des légumes, du foin, donc il tète essentiellement sa maman. Il a envie d'imiter sa maman, je pense. Et en fait, il peut voilà, essayer de goûter la nourriture juste pour faire pareil. En fait, on voit vraiment son mouvement de mâchoire, mais il ne sait pas avaler. À mon avis, le plus beau des bébés du zoo, c'est un bébé hippopotame quand même. Alors ce soir, au programme, donc rentrée des coatis. Mais avant, je dois préparer un médicament pour notre mâle adulte du groupe qui a un bobo au niveau de la joue. Est-ce que je lui écrase ou je lui écrase pas ? En fait, c'est un petit comprimé. Bah, je décide de l'écraser et de le mettre dans un poussin pour qu'il le sente le moins possible et que j'ai toutes mes chances pour qu'il le mange. C'est un bon garçon, mangez son médicament. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Avant toi, mon ninou. Et on le mange bien, mon ninou. Hein. Je distribue les poussins à tout le monde. Et là, je donne mon poussin avec le médicament à Nino. Et du coup, bah, je suis contente parce qu'il le prend super bien. Tu manges ton poussin, Nino. Jusqu'au moment où il commence à jouer avec et à le délaisser. Mange ton poussin. Nino, ton poussin. Je me dis, là, c'est pas gagné. Les animaux, ils sont loin d'être bêtes. Hein. C'est un peu comme les enfants. Hein. Ils savent très bien quand il y a un médicament. Ils doivent sentir aussi que nous, on est à l'affût. On regarde s'il le prend ou pas. Et je pense qu'ils comprennent très bien. Mange ton poussin, sinon les copains, ils vont le voler. Ah non, tu lui voles pas. Prends-moi ton poussin. Allez, prends ton poussin, là, dépêche-toi. Ouh, il va me voler. Donc là, il faut vraiment qu'il prenne son médicament. Donc j'arrive à lui récupérer le poussin. Du coup, il a envie de sortir. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre ma trappe. Les autres sont occupés à manger, machin. Voilà, très bien. Je lui donne son poussin et il l'embarque à l'autre bout de l'enclos. Bon, Nino, tu manges ? Et après, ben, je surveille bien qu'il mange bien son poussin. Parce qu'il continue à le gratter, à le frotter et tout ça. T'as tout mangé ou pas ? Non, papa est fini. Allez, vas-y. Yeah, il a tout mangé, mon Nino. Mais à la fin, il arrive à tout me gober.
Donc là, je suis sereine pour soir. Le médicament est pris. Donc du coup, bah, va falloir remettre cette épreuve-là à demain, hein, parce que le traitement va durer plusieurs jours. Bon, mais c'est bon. Loulou, et à tout manger. Super. Donc là, je réfléchis pour la suite des jours suivants, parce que voilà, le poussin, c'est peut-être pas l'idéal. Donc on va peut-être opter pour mettre le médicament dans un autre fruit et légumes plutôt. Dès le début de la matinée, Marie m'appelle pour passer chez les Mandrils. Chez les Mandrils, depuis peut-être une quinzaine de jours, trois semaines, on a des tensions. Et là, elle m'appelle pour Nyanga, où elle a vu une blessure qui lui plaît pas trop. Il y a un gros trou quand même. Ouh, ça bouge rien. Là, regarde. Ah oui, d'accord. Effectivement, on voit une blessure assez nette. La nature de la blessure laisse pas de doute sur le fait qu'il y a nécessité d'intervention, parce qu'elle semble assez importante. C'est-à-dire que c'est pas superficiel. Ça va pas se refermer tout seul comme ça. Aujourd'hui, on a décidé de mettre de la laine de mouton à tout le monde. C'est vraiment de la vraie laine de mouton qui sent très très fort. L'odeur du mouton, c'est une odeur qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont jamais rencontré de mouton de leur vie. Oh. Chut, on reste un peu là.